Le Premier ministre rencontrera le pape François au Vatican ce lundi 18 octobre. Et comme le veut la tradition, il ne viendra pas les mains vides. Pas question d'arriver les mains vides. Le Premier ministre Jean Castex va rencontrer le pape François à l'occasion d'une visite officielle au Vatican ce lundi 18 octobre. Et comme le veut la coutume, le chef du gouvernement arrivera avec des présents pour le souverain pontife. Selon nos informations, il s'agira d'un maillot dédicacé de Lionel Messi, argentin comme le pape, et d'un exemplaire de la première édition de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Si la référence littéraire française devrait plaire au pape François, le maillot de foot est clairement un clin d'œil à son amour pour le ballon rond. Le souverain pontife est connu pour être un grand fan du club de San Lorenzo, basé à Buenos Aires. Et même si Léo Messi est lui un enfant de Rosario et a débuté sa carrière dans les rangs de Newell's Old Boys, nul doute que le pape appréciera de recevoir le maillot du génie argentin. À plusieurs reprises, il a d'ailleurs eu l'occasion d'exprimer toute son admiration pour le joueur arrivé au Paris Saint-Germain cet été. Dans une interview de 2016, le pape avait assuré que selon lui, Messi était meilleur que les légendes Pelé et Maradona. Et pour la télévision espagnole en 2019, il avait même déclaré qu'il n'était pas choqué de la comparaison entre Lionel Messi et Dieu, régulièrement faite par les fans de football. Les deux hommes se sont également rencontrés par le passé, au Vatican, à l'occasion d'un match entre l'Italie et l'Argentine. Lionel Messi avait déjà offert un maillot au pape François. Avec la visite de Jean Castex, le souverain pontife pourra donc continuer d'enrichir sa collection.